Paris. Action. Alors, ceci c'est le prévôt traduit en français moderne par Hervé Guillard et commenté. Une merveille des merveilles. Ça, c'est le Reginald Scott. Première fois traduit en français et commenté. Livre de 1584, jamais traduit en français. Pour la première fois traduit en français par Philippe Saint-Laurent. Vendu. Une merveille. Vendu. C'est vendu. Bon, tout ça, c'est du vent. Du Juan Tamaris, tout est vide tellement qu'on en vend. À Memnotica, la merveille des merveilles. 12 ans, il a travaillé 12 ans, nous 4 ans, ça fait 16 ans pour un livre. C'est pas mal. À 80 euros, c'est bien. Hein bon. Alors, attends. Alias, Abdullah la fraise. Ah, une merveille. La fraise. Une merveille. Ça, c'est une ça, merveille. C'est parfait, ça. T'arrives à l'attraper? J'arrive même pas à l'attraper tellement qu'il est bon. Et mon but, c'est de travailler avec Copperfield. Oui. Alors, on verra. Alors, ça, c'est un livre. Alors, ça, c'est un livre. C'est un livre. C'est des nouvelles. Faites par à la fraise, une merveille, des merveilles, il faut les lire, comme ça, de temps en temps, une, et c'est la magie, la quintessence de la magie. Après, on a tous les James Hodge, tu vois, on a tous les James Hodge, et les ils carnets, sont nombreux. Des carnets de James Hodge, on a... Moi, j'ai un gros livre de James Hodge. Le prévôt original réédité par l'Académie de magie. Le prévôt édition Georges Proust 1584 réédité par nous. Très bon ouvrage à conseiller. Le meilleur. Après, tu voulais les chemins magiques et c'est tout là, ça. C'est là. Nous allons venir te voir et attention, Tamaris. Nous avons l'anthologie. Sonata, extraordinaire, anthologie. Après, nous avons le chemin magique. Au-dessus. Non, ça c'est les 5 points magiques. Extraordinaire, j'ai lu. Alors, incontournable, appelons-le, il a écrit en 2 jours, il l'a fait en une semaine, et c'est un des best-sellers. Mais c'est le génie aussi derrière lui, il m'a expliqué ça. Hier, comment il a fait tout ça. Et ceci, le chemin magique, une merveille des merveilles. Illustré par le grand James Hodge. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Oui, j'ai reconnu son coup de crayon et la grosseur de sa pointe de son crayon. Ben oui, bien sûr. Et il en a une grosse de pointe, hein, du crayon. Ben oui. Alors, je pense qu'on a tourné, qu'est-ce qu'on avait tourné. Bon, on a 100 livres sans publication. C'est énorme. Oh, c'est bien ça! Après, il faut trouver un tour pour les enfants. Ah, oui. Oh, ben, je l'ai trouvé depuis longtemps, hein, je te signale. Alors, les gens de Montréal aimeraient bien ça savoir votre nom. Alors, votre nom? C'est Roger Rocard, voilà. De Madouan. Il est de Montréal? De Montréal. Oui, ben, j'ai un copain à Montréal. Oui. Oui, il y a Daniel. Regarde, Méliès, il a le même calvitie que toi. Magicien l'évêque. C'est un copain à comment Choquette. Alain Choquette, oui. Ouais, la Choquette, et c'est un copain à moi. Ok, mais l'évêque. Il t'avait envoyé une affiche par l'intermédiaire de chez moi. Et cette belle voix-là, elle vient de où? Puis moi. La belle voix que vous avez. Ah, elle vient du blues. C'est le doubleur de Gabin. C'est le doubleur de Gabin. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. Oui, non, c'est vrai. Alors, faut le dire. D'ailleurs, je vais essayer d'avoir la publicité parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont entendu, mais il y a des gens comme Georges ou comme toi qui m'avaient pas entendu. Non, garde-les. Je fais la publicité. Ça te va. Et si on me donne un whisky, oui, je veux bien. Bah, ça, alors, le whisky, il est là-bas, derrière. À bientôt, si vous voulez bien. Je fais bien. Oh, moi, je veux dire. Quand j'étais tout bon comme trois pommes, je disais je sais. Allez, youpi, youpla. Merci, au revoir, bye. Vous aussi. Je suis là. 1789.